Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle défense qui s'appelle Age Uke. Age, ça veut dire remonter. Uke, ça veut dire défense. Donc c'est une défense en remontant le bras qui va se faire contre une attaque au niveau du visage, au niveau haut. Donc, je vous rappelle, hein, Jodan, Chudan, Kedan. Donc Jodan, Age Uke. Vous allez me suivre pour l'instant, on va travailler en miroir de façon à commencer à trouver un peu la sensation. Pour l'instant, les mains vont être ouvertes. Vous servez seulement de votre main droite et vous faites la même chose que moi. Et en même temps, descendez votre bras, votre bras gauche maintenant. Descendez votre bras, encore une fois le bras droit. Vous voyez que ma hanche tourne. Lorsque mon bras monte, et d'ailleurs ma hanche commence à tourner pour faire monter mon bras. Maintenant, la même chose, mais avec les poings fermés. Et que le bras fait un léger temps d'appel, et la hanche tourne pour déclencher le mouvement. Temps d'appel, mouvement de hanche. On continue la même chose maintenant, mais les deux bras vont travailler en même temps. Donc ce bras revient comme dans les autres mouvements, derrière, au-dessus de la hanche. Et avec simultanéité, un bras descend, l'autre monte. Un bras descend, l'autre monte. Maintenant je vais faire le mouvement rapidement, vous le ferez après moi. La hanche qui tourne pour lancer le bras. Défaut à éviter au départ, ceci. Étant donné qu'on bloque un coup de poing qui vient au niveau du visage, il faut absolument que l'avant-bras passe lui-même devant le visage pour se protéger. Le poing gauche reste à droite, le poing droit reste à gauche, pour vous bien sûr, puisque moi c'est mon poing gauche. Petite pause d'image et je vous retrouve dans quelques minutes. Revenons donc à notre technique Age Uke. Nous l'avons vu sur place, je remontre rapidement. Avec ce mouvement de bassin qu'on connaît déjà, qu'on a vu dans d'autres techniques. Maintenant, nous allons appliquer cette technique sur une position que nous connaissons et sur un type de déplacement que nous connaissons aussi. Donc, je vais vous demander de mettre votre poing droit devant, pendant que j'ai mon poing gauche devant. Je vais faire un mouvement lentement et vous allez le faire en même temps que moi. Je vais avancer mon pied droit, vous votre pied gauche. On revient. On laisse le bras en haut. On revient. On laisse le bras. Et on croise les bras. On avance. Maintenant, je vais vite et vous faites le mouvement après moi. Maintenant, je me recule un petit peu. Je reste dans cette position. Je vais avancer mon pied droit, frapper avec mon bras droit. Je voulais dire mon pied gauche, frapper avec mon bras gauche. Et vous, à droite. Maintenant, je vais avancer. Et vous aussi. On fait la même chose en reculant. Après moi. Je vais reculer, vous ferez toujours le mouvement après moi.
De nouveau, je vais vous laisser un petit moment pour travailler ce mouvement après une pause image et on se retrouve tout de suite après. Reprenons donc l'étude de notre mouvement Hageuke. Vous avez vu qu'on peut le faire en avançant, on peut le faire en reculant. Défauts principaux à éviter, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui montrerait qu'on n'a pas compris le sens du mouvement ou la signification du mouvement, bien sûr. Et en même temps, le fait que lorsqu'on monte un bras, on peut avoir tendance à exagérer le mouvement de l'épaule, à monter l'épaule pendant qu'on lève le bras, et lorsqu'on descend le bras, bah, faire l'inverse finalement, non. Lorsque le bras monte, le mouvement part toujours du bassin, du ventre, et l'épaule n'a pas besoin de monter. C'est d'ailleurs ce qui donnera le maximum de sa puissance à ce mouvement. Dès l'instant que l'épaule sera trop impliquée, le mouvement aura moins de puissance. Et il créera plus de tension. Alors, dans quelle situation applique-t-on ce mouvement? Je vais vous montrer quelques situations avec Jean-Claude. Par exemple, dans une technique de combat conventionnelle, c'est-à-dire dans un combat où tout est pré-arrangé. On verra dans un cours prochain. Donc, par exemple, un adversaire m'attaque doucement en Oizuki Jodan. Et logiquement, je bloque vers le haut, puisque c'est ce que son mouvement préconise un petit peu. Ensuite, je vais faire une contre-attaque, généralement Gyakuzuki. Maintenant, je peux faire la même chose sur la même attaque en me dégageant de façon à avoir une position peut-être plus intéressante par rapport à lui et en tout cas en évitant la confrontation frontale, si j'ose dire, même si c'est un pléonasme. Ensuite, je me dégage de l'autre côté de façon à avoir la capacité de contre-attaquer en le mettant dans une position peut-être un petit peu défavorable par rapport à moi. Et le hageuke qui était une défense au départ peut très bien devenir une arme, une attaque. Donc ici par exemple je me défends avec hageuke et je contre-attaque mon adversaire en faisant exactement le mouvement que j'aurais fait pour me défendre et que j'ai fait d'ailleurs pour me défendre. Donc dans certaines situations la défense peut devenir une attaque. Voilà pour Hageuke. Donc Hageuke, c'est une technique qui fait partie des défenses de base sur une position qui est simple, la position qu'on a déjà vue, qu'on appelle selon les styles Zenbutsu, Junzuki, Noashi. Pour l'instant, on est resté sur cette position, mais dans des films à venir, nous allons étudier d'autres positions. Et ce mouvement Hageuke, vous pouvez aussi le retrouver dans d'autres situations, par exemple dans des katas, dans un kata éducatif, qu'on travaille par ailleurs sur le site dans les cours que nous faisons ensemble. Donc si je vous engage à aller voir ce cours de façon à pouvoir travailler sur Hageuke d'une manière un petit peu plus évolutive. Avec tous mes remerciements pour votre attention.